Gloire à Dieu, merci d'être là en ce temps de la grâce. Et vous voyez, nous venons d'entamer la nouvelle année. Je voudrais à cette occasion souhaiter à chacun de vous une bonne et heureuse année 2019. Merci parce que nous croyons que Dieu va nous bénir au cours de cette année. Sa grâce va couler à flot et les plans de l'ennemi seront détruits dans la vie de chacun de vous au nom de Jésus. Alors, baissons la tête pour la prière en ce moment. Papa, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce merveilleuse dans notre vie. Et comme nous sommes là, dans ta présence, nous croyons que ta lumière va jaillir et tu nous donneras la force et la grâce de marcher avec toi dans la vérité, dans la justice, au nom de Jésus. Et comme nous le faisons, que ta grâce coule à flot. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme je le disais, merci d'être là pour cette émission extrêmement importante. Nous fouettons la parole de Dieu pour comprendre quelles sont les pensées de Dieu et qu'est-ce que Dieu destine à ceux qui obéissent à sa parole. Voilà pourquoi nous considérons le message intitulé « Les habitants potentiels du royaume de Dieu ». Gloire à Dieu. Les habitants potentiels du royaume de Dieu. Vous voyez, souvent, on parle du royaume de Dieu. Certains vont dire « c'est le ciel », d'autres encore vont dire « c'est le paradis », de toutes les façons. C'est l'habitation du Dieu au ciel et nous croyons que le Seigneur nous y amènera au nom de Jésus. Regardons dans la parole de Dieu, Luc chapitre 23, le verset 43. Il nous dit dans Luc chapitre 23, verset 43, il dit ceci. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. Vous voyez, cet homme-là, c'est avec une grâce excellente parce qu'un brigand, un malfaiteur, cloué à la droite du Seigneur. Alors, en ce moment précis, il leur restait quelques temps seulement pour mourir. Et cet homme brigand sur la croix a levé les yeux vers le Seigneur, a dit, oui, il a réprimandé son ami qui était à gauche. Il dit, mais nous sommes là parce que nous sommes des malfaiteurs. Nous méritons le châtiment, mais lui, il n'a rien fait. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans son règne. Vous voyez, cette parole a suffi largement pour mettre en mouvement la compassion du Seigneur. Il a vu qu'il était repentant de ses péchés. Il reconnaissait le mal et il implorait la miséricorde de Dieu. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez comment l'amour du Seigneur est débordant et la grâce de Dieu est suffisante. Si ce monsieur qui a vécu sa vie, a fait du mal, à quelques heures de sa mort, est rentré dans le paradis, pourquoi serons-nous dehors? Et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre et de saisir la main tendue de Dieu. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Le verset 33, la parole de Dieu dit, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Jésus est passé pendant 3 ans et demi à prêcher la parole de Dieu. Il y avait des sacrificateurs, des sanhédrins, il y avait des scribes. Il a dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Voyez, c'était insoutenable. Le Fils de Dieu est venu parlant du royaume, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, mais ils l'ont rejeté. Il a dit alors, race de vipère. Oui, c'est extrêmement important. Race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? D'un côté, vous avez le ciel, le paradis, le royaume de Dieu. De l'autre côté, vous avez l'enfer ou le lieu de souffrance. Il a dit, si vous rejetez la grâce que je vous donne, alors comment vous allez échapper à ce feu de l'enfer? Hébreux chapitre 2. Hébreux. Allons dans Hébreux chapitre 2, le verset 3. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut
qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment? Voyez, vous entendez la parole de Dieu dans les églises, dans les rues, vous avez des traités qui sont distribués à la radio, à la télévision, vous suivez les enseignements. Il dit, mais comment échapperez-vous en négligeant un si grand salut, non payable par l'argent ou par l'or, mais uniquement la manifestation de l'amour du Seigneur? Donc c'est un appel à tout un chacun de comprendre qu'il y a une attitude à avoir, un comportement à adopter. Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 4. Matthieu chapitre 24 et nous lisons le verset 4. Il dit là-bas, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de connaisseurs. Des gens qui vous disent, oui, c'est pas ceci, mais ils ne comprennent rien par rapport à la parole de Dieu. Et Jésus dit, faites attention que personne ne vous séduise. Il y aurait des séducteurs, il y a des gens qui vont blasphémer, mais tout ça, ça ne change rien au programme, au plan et au projet de Dieu pour les hommes. C'est seulement en écoutant la parole de Dieu, en obéissant à cette parole, que nous avons le privilège d'entrer. Voilà pourquoi c'est important de comprendre ceci et de prier. Et comme nous prions, certainement, la grâce abondante de Dieu sera accordée à chacun de nous au nom de Jésus. Voyons Marc chapitre 13, le verset 33. Oui, Marc chapitre 13 et le verset 33. La Bible nous dit là-bas, verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il interpelle les croyants. Veillez, prenez garde. Il y a tellement de distractions autour de nous. Il y a tellement de choses fascinantes autour de nous. Et on peut être porté à regarder, à dévier du chemin. Il dit, prenez garde. Faites attention, il y a un danger. Veillez, soyez vigilants et priez afin que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre parce que ce temps viendra à l'improviste. Je prie que quand ce temps viendra, nous soyons enlevés ensemble parce que nous serons veillants et vigilants au nom de Jésus. Lorsqu'on parle du ciel, les croyants feraient mieux de bien prêter attention. Et les incroyants, les non-croyants, oui, doivent trembler. Oui, car il s'agit d'une cité non imaginaire. Oui, elle n'est pas imaginaire, mais réellement une habitation de Dieu avec les hommes. Alors, la description de la cité de Dieu est exacte. Et les dimensions sont incontestables. Il n'y a rien à faire. C'est été décrit, la beauté, la largeur, la longueur, la hauteur, tout a été décrit. Sa beauté indescriptible est fascinante, impressionnante. Et ses habitants sont éclatants et leur gloire est éblouissante. On ne peut pas trouver des mots sur la terre pour calculer ou pour démontrer la beauté de Dieu. Alors, un véritable croyant ayant reçu cet appel glorieux n'a aucune autre admiration. Oui, aucun autre désir ardent, aucune fascination, aucune focalisation, aucune priorité que ce lieu admirable qui est la destinée finale des saints. Je prie que nous puissions concentrer nos efforts, nos pensées, tout ce que nous pouvons avoir de précieux pour que ce ciel ne nous échappe pas au nom de Jésus. Voyez ? Alors, il y met, ce croyant-là, il met sa force, toute sa force, son intelligence, ses habiletés, ses compétences pour l'intérêt du grand royaume de Dieu. C'est tellement important. Le mot enfer s'éloigne chaque jour des pensées des croyants passionnés. Voyez ? Quand le Saint-Esprit nous rassure, quand nous marchons avec le Saint-Esprit, il nous rassure qu'il n'y a rien à faire. Nous sommes convaincus que nous sommes des fils et des filles du royaume. Et la sainteté est scintillante en nous. Nous le voyons et même l'entourage constate que ce monsieur-là, cette dame-là, cette jeune fille là-bas, ce jeune garçon, il a la crainte de Dieu, il marche dans la vérité, dans la justice et il s'éloigne du mal. Alors c'est visible, c'est compréhensible, la sainteté est scintillante. Et alors, leur vie soupire d'après ce lieu important
comme une biche soupire après un courant d'eau pour se désaltérer, je prie que nous puissions courir après le ciel. Ainsi, donc, leurs esprits sont fermes, leurs pensées sont focalisées sur ce jour glorieux de l'entrée triomphale dans la cité de Dieu. Je prie que ce jour-là, lorsque les saints seront pris de la terre, sur toute la surface de la terre, partout dans le monde, dans les cinq continents, lorsque la trompette va sonner, la puissance de Dieu va ravir tous les saints de la terre pour les faire amener au ciel. Je prie que, en ce jour-là, nous puissions nous voir au ciel au nom de Jésus. Trois points que nous allons considérer dans ce message. Premièrement, nous allons parler de quoi? La vision du ciel et la perception de sa sainteté. Avant de comprendre, quand on parle du ciel, nous devons percevoir la sainteté du ciel. Quand nous voyons quelque chose, quand le Seigneur choisit de nous montrer la représentation du ciel, nous comprenons sa sainteté. Deuxièmement, nous parlons de la voie large, une tromperie de Satan qui mène à la perdition irréversible. La voie large, là où tout est permis, rien d'interdit, on peut trimballer tous les colis. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas entrer au ciel comme cela. Ce n'est pas compliqué de donner une image. Est-ce que quelqu'un peut se lever comme ça et en trimballant ses balichons et aller rentrer à la présidence du Faso? Ce n'est pas possible. Alors, comment on peut imaginer qu'on peut se lever, prendre tous les colis, tous les péchés, tous les amusements et aller entrer au ciel allègrement? Non, ce n'est pas possible. Troisième point, la vérité du ciel révélée et la véritable résolution pour y entrer. Quand la parole de révèle l'état, la vérité du ciel, alors nous devons avoir une véritable résolution pour y entrer. Premier point, la vision du ciel et la perception de sa sainteté. L'étude est longue, donc nous allons diviser certainement cette étude en deux. Donc, nous voyons la première partie. Alors, la vision du ciel et la perception de sa sainteté. Apocalypse chapitre 21. La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 21, verset 3. Il dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Que s'est-il passé? L'apôtre Jean, pratiquement le dernier des apôtres, parce que les autres étaient déjà morts. Alors le Seigneur l'a ravi de la terre, depuis l'île de Patmos. Et il est parti lui montrer le ciel, sa beauté. L'ange a mesuré la cité de Dieu. Il a regardé les aspects de la configuration. Il a vu les murailles. Il a regardé les portes. Il a regardé les fondements. Il a vu. C'est extrêmement important. Dieu a voulu qu'un des nôtres puisse voir, fasse la description par l'appui du ciel, afin que nous puissions comprendre qu'il s'agit d'un lieu extrêmement important à ne jamais rater. Donc il dit, j'ai vu. Il a vu. Ce n'est pas un songe. Non, c'était une réalité. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Le verset 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 8 et le verset 10? Il dit ceci. Verset 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous voyez, souvent on est étonné. Pendant que d'autres sont dans l'emphase, dans l'admiration, dans l'excitation pour le ciel, d'autres sont passifs, désintéressés, ne comprennent pas quand on parle du ciel. Mais la Bible dit, ça c'est le mystère révélé aux habitants potentiels du ciel. Mais pour les autres là, ça paraît, c'est des paraboles. Ils voient, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Et c'est pour cela, c'est important que nous puissions savoir que Dieu a révélé les mystères. C'est un mystère. On ne se lève pas pour frapper la poitrine et comprendre les choses du ciel. Luc
chapitre 9, et nous lisons le verset 60. Luc 9, verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts, ensevelis les morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez souvent, quand on entend ce message du Seigneur, on est étonné. On dit, mais comment on peut laisser les morts enterrer leurs morts? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, beaucoup de gens peuvent faire beaucoup de choses. C'est cela. Ils peuvent enseigner les sciences, enseigner les mathématiques, ils peuvent enseigner la philosophie, ils peuvent travailler dans des organisations internationales, ils peuvent préparer des cérémonies funéraires, mais ils ne peuvent pas annoncer le royaume. C'est un privilège réservé à certains. C'est pour ça qu'il a dit, laissez les morts, enterrer leurs morts. Ils s'occupent du corps, mais ils ne savent pas comment s'occuper des âmes. Laissez ceux-ci s'occuper de leur corps, mais vous, allez vous occuper des choses importantes. Le corps, ça c'est la terre qui va retourner à la terre, mais l'âme est éternelle, créée et immortelle, qui doit aller répondre devant Dieu des actes causés par le corps. Occupez-vous des âmes. C'est ce que le Seigneur veut dire. C'est important. Dieu, en voulant nous rassurer de l'effectivité du ciel, a donné des opportunités exceptionnelles à des personnes sélectionnées de voir le ciel dans sa beauté angélique pour permettre aux croyants sincères de soupirer pour y entrer. Alors, premièrement, Ésaïe. Le temps nous permettra certainement de lire quelques passages. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe s'est exclamé. Il dit ceci, verset 1, verset 2, des séraphins. Verset 1 d'abord. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça, c'est une vision. Il dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun six ailes, deux dont il se servait, il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, à la vision de ceci, c'était extraordinaire. Il a dit au verset 5, alors je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, gloire à Dieu. C'est-à-dire, c'est comme s'il était mort. Il a vu la beauté du ciel et il a regardé ce qu'il est. Il a regardé ses paroles, ses lèvres, sa bouche. Il a dit non. Comment une telle personne peut être dans la présence de Dieu sans mourir? Malheur à moi. Vous voyez, ça c'est la compréhension de la beauté et du ciel et des habitants du ciel. Daniel. Daniel chapitre. Allons dans Daniel chapitre 10. Quand vous voyez le ciel, vous comprenez qu'il s'agit de la cité du grand roi. Daniel chapitre 10, le verset 5. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le verset 5. Daniel chapitre 10, verset 5. Je levai les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du cristallite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une tumulte. Moi, Daniel, je vis seule la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Voyez, ça c'est simplement un ange que cet homme, ce prophète de Dieu, un homme saint, a vu. Il dit qu'il a perdu toute connaissance. Il ne comprenait pas toute vigueur. Son visage était décomposé. Il a changé de couleur et lui-même, il était perdu. Ça c'est quand vous voyez les habitants du ciel, vous comprenez d'où ils viennent. Voilà pourquoi les croyants doivent trembler aussi
et les pécheurs doivent crier en disant « Oh Dieu, aide-moi !» Ce n'est pas tout. Voyons dans quoi ? Dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Ça, c'est qui ? L'apôtre Paul. Lui aussi, il a été enlevé et il a vu la beauté du ciel. Oui, regardons à partir du verset 2. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au troisième ciel, c'est-à-dire au ciel. Si ce fut dans son corps, hors de son corps, je ne sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, hors de son corps, je ne sais. Il fut enlevé dans le paradis. Et qu'il vit des paroles, il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous voyez, il dit qu'il a vu. Et je prie que le Seigneur, à son amour, nous permet de voir, qu'il nous donne la vision. Alors les tremblants vont dire, oh, quelle merveille. Ceux qui sont plaintifs en disant, oh, c'est difficile. On dit de ne pas toucher à ceci, de ne pas manger cela, de ne pas aller là-bas. Quand vous voyez la beauté du ciel, vous savez que n'importe qui ne va pas là-bas. Et vous allez crier au Seigneur en disant à Dieu, aide-moi. Ce n'est pas fini. Quatrièmement, voyez, l'apôtre Jean est tombé, il s'est effondré et il a perdu carrément toute force. Apocalypse chapitre 1, le verset 10, il dit, je fis la vie en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises d'Éphèse, Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait sur sa poitrine, oui, sur sa main droite, cette étoile. Voyez, verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Gloire à Dieu. Voyez, aujourd'hui nous parlons de Jésus. On dit le petit Jésus. Non, il n'est plus le petit Jésus. Il est venu dans son humiliation pour payer le prix pour le rachat des hommes. Maintenant, il a été élevé, il est dans sa gloire. Si vous le voyez, vous allez trembler. Et je prie que nous puissions comprendre que la cité de Dieu est importante et les habitants sont exceptionnels. Je prie que nous puissions prier à cette heure pour que le Seigneur nous donne la compréhension. Tout à l'heure, certainement, nous allons parler de la description de la ville. Mais pour l'instant, nous allons prier en disant, oh Dieu, aide-moi. Sonde mon cœur. Nous sommes croyants. Quelle est notre position en Christ? Nous ne sommes pas croyants. Nous avons peut-être entendu parler ou nous sommes venus une fois, deux fois à l'église ou nous avons simplement entendu parler de ce Jésus. Quelle est notre compréhension de Jésus aujourd'hui? La Bible nous dit, il est le roi, le Seigneur, le Créateur, celui qui vient. Est-ce qu'il viendra nous trouver prêts? Toutes les grandes religions savent que Jésus est monté au ciel, ça fait 2000 ans. Il est exceptionnel. Il n'y a personne comme lui. Et ils savent que Jésus revient. Mais qu'est-ce que nous faisons par rapport à ce qu'il a dit? Il dit, préparez-vous, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, je vais et je reviens. Mais alors, s'il revient, qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? Quelle préparation adéquate nous devons faire? Il a dit, je reviens. Va-t-il nous trouver faisant ainsi? Baissons la tête aujourd'hui et demandons à Dieu la grâce abondante pour faire ce que nous devons faire afin de ne pas rater lorsqu'il viendra pour enlever son église pour la cité de Dieu au ciel. Prions ensemble.
Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions, Père Céleste. Je prie pour les téléspectateurs qui maintenant sont en train de prier, implorant ta miséricorde pour ne pas rater l'entrée glorieuse dans la cité de Dieu. Je prie qu'on lui demande pardon, pardon, lave, que les saints soient fortifiés, que les pécheurs répondent à l'appel et qu'ensemble, une multitude, nous montions à la cité de Dieu au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.